Le 26 mai 1883 prenait fin la vie terrestre d'Abdelkader, le fils de Mouhiddine, leader historique de la première révolution algérienne, plus connu sous le nom de l'émir Abdelkader. Mystique, érudit, auteur du monumental Kitab al-Mawaqif, attaché à la voix et à l'enseignement du grand maître spirituel andalou Ibn Arabi, l'émir Abdelkader a marqué d'une empreinte durable son temps et le nôtre. À l'occasion des 140 ans de sa disparition, nous recevons aujourd'hui l'un des grands spécialistes de l'émir, Ahmed Bouyardem. Bienvenue sur Mizan TV. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes docteur de l'Université de Strasbourg en études méditerranéennes et orientales. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'émir Abdelkader. J'en citerai deux, ou trois plus exactement. Abdelkader, l'harmonie des contraires, aux éditions du Seuil. Récemment, Abdelkader, fragment d'un portrait, préfacé par Christian Delorme, aux éditions Albourac. Et chez le même éditeur, apparaître prochainement, dans les éditions Je veux connaître, un ouvrage sur l'émir Abdelkader. Alors Ahmed Bouyardem, quand on se penche sur la vie de l'émir Abdelkader, on a le sentiment de voir plusieurs existences, ou de voir plusieurs figures différentes de l'émir Abdelkader. Le Abdelkader de la jeunesse est engagé pendant 17 ans dans une guerre de libération contre la colonisation française, alors que le Abdelkader de la maturité se consacre beaucoup plus à l'écriture et à la méditation. Ces différences sont-elles le fruit des circonstances de sa destinée ou témoignent-elles d'une évolution et d'un changement dans la personnalité de l'émir? Je dirais les deux. En fait, quand on étudie la vie et l'œuvre de l'émir Abdelkader, on se rend compte très rapidement d'une chose, c'est qu'on n'a pas affaire à un Abdelkader, mais à plusieurs. Ce qui n'est pas en réalité étonnant, puisque l'Abdelkader qui entre dans l'histoire en 1832, à l'automne 1832, a 24 ans, et celui qui va sortir de prison, donc de captivité, de 5 ans de captivité en France, en aura 45. Et enfin, celui qui va intervenir en faveur des populations chrétiennes de Damas approche des 60 ans. Donc c'est une figure qui va évoluer au cours de sa vie et parfois de manière dramatique. Hein. La captivité va beaucoup le transformer intérieurement. La guerre menée par l'armée d'Afrique et les 15 années des meilleures années de sa vie. Il passe de l'âge de 24 ans à 40 ans à combattre, à être au service d'un idéal, d'une nationalité, comme on disait à l'époque, d'un peuple, d'une aspiration. Et en fait, Abdelkader, comme tout être humain, évolue, change, son regard mûrit. Et cette maturation, elle se fait aussi par les rencontres. Les circonstances, bien sûr, l'obligent à changer, mais aussi les rencontres, les lectures, l'étude, mais aussi les expériences spirituelles. Et dire qu'il y a un Abdelkader et l'essentialiser, c'est déjà faire une erreur. Moi, si on me pose la question « qui Abdelkader ?», je dirais « en quelle année ?» Et donc, ou à quel, dans quelles circonstances aussi, parce que évidemment Abdelkader, en méditation devant le tombeau de Ibn Arabi ou bien dans la maison du prophète en 1863 lors de son deuxième et ultime pèlerinage à la Mecque, il n'est pas dans les mêmes états, si je puis dire, le même hal, pour reprendre un terme soufi, que lorsqu'il est devant Napoléon III en décembre 1855 et à qui il vient de demander la possibilité de quitter Bursa pour s'installer à Damas. Donc c'est un homme qui a plusieurs, non pas visages, mais qui a plusieurs facettes. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est plus que de se dire est-ce qu'il n'est pas, il se contredit pas, c'est quel est l'élément fondamental qui relie tous ces aspects de sa personnalité. Qu'est-ce qui fait qu'il est un et tout en étant multiple en fonction des circonstances, des époques, des temps, des personnes qu'il a en face de lui? Et ça, c'est une vraie question et qui ne peut se comprendre que si on tient compte de son éducation. Abdelkader n'est pas quelqu'un d'exceptionnel en réalité. C'est vraiment le fruit d'une éducation traditionnelle, islamique, et soufi. On le sait, il est né
Alors, les dates, celles qu'on rappelle le plus souvent, c'est 1808, mais en réalité, il existe plusieurs dates avancées de sa naissance, hein, 1808, 1807, 1809 et également 1805. Ces dates reviennent, c'est pas surprenant, hein, il n'y a pas d'état civil dans la régence d'Alger au début du 19e siècle. Mais retenons celle de 2008, celle qui revient souvent chez les biographes français, entre autres. Donc 2008, il naît dans quel contexte? On est dans une province ottomane. Il naît en province, donc il n'est pas c'est pas un citadin, dans une petite bourgade, peut-être même moins une vingtaine de kilomètres de Mascara, qui fut espagnol jusqu'en 1792 et qui deviendra ensuite le siège du beylicat de la province d'Oran. Et il va grandir dans une oasis à la fois culturelle, religieuse et spirituelle, qui est une zaouïa. Et c'est vraiment un fils de zaouïa, et donc qui est d'ailleurs dirigé par son propre père, hein, qui s'appelle Mouhyiddin, dont le propre père aussi, donc le grand-père d'Abdelkader, c'est Simstafa, étaient tous donc des lettrés, des gens qui enseignaient à l'intérieur de la zaouïa. Le Coran, mais aussi la tradition prophétique, les hadiths, et j'allais dire qui aussi par le fait que c'était une zaouïa où il y avait une initiation spirituelle, les étudiants, les élèves, les disciples apprenaient à la fois la lettre et l'esprit de la lettre. Et on le sait par quelques témoignages, Abdelkader a été très probablement initié très tôt, son propre père était un initié, parce que souvent les zaouïas, certains avaient perdu cet ancrage spirituel, hein, donc c'était des lieux où il y avait une éducation religieuse, mais il n'y avait plus un rapport initiatique, ou en tout cas une transmission initiatique. Mais là, la zaouïa, et notamment par le biais de son père, Si Mouhyiddin, et son grand-père, Si Mustapha, il y avait encore cette transmission du secret ou de cet enseignement initiatique. Donc Abdelkader va être pétri par la tradition mohammedienne et va être aussi structuré par le principe de l'unicité du tawhid, cette idée que tout, absolument tout, émane de Dieu et que rien n'échappe à la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment prégnant chez Abdelkader, et de la même manière comme dans toutes les zaouïas, et comme le dit très bien Alexandre Belmar, donc officier français arabisant qui est l'auteur de la première biographie de qualité sur Abdelkader parue en 1863 et qui a connu rencontrer l'émir Abdelkader à l'occasion de sa libération en 1852, écrira: Abdelkader, à l'image de tous ceux qui ont été éduqués dans une zaouïa, a été éduqué sous le regard de Dieu. Et bien sûr, ça nous rappelle le fameux hadith de Jibril, dans lequel qui met en scène donc un personnage tout de blanc vêtu et qui vient et qui se place devant le prophète et qui interroge le prophète. Donc à la fin du hadith, le prophète révélera à ses compagnons qui sont présents que c'était l'archange Gabriel sous la forme humaine qui venait leur enseigner leur religion et qui pose cette question au prophète: dis-moi ce qu'est l'islam, l'iman et l'ihsan. Et l'ihsan, comme on le sait, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc cette éducation sous le regard de Dieu, c'est une conscience de soi, de son action et de sa responsabilité. C'est-à-dire, où que tu sois, en quelque sorte, cette éducation que tu sois de petit, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu seras toujours sous le regard de Dieu. Donc ça apporte une conscience particulière de sa responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui va être cultivé beaucoup chez Abdelkader. Donc, il apprend aussi le Coran. La parole de Dieu faisait partie de sa nature. Depuis l'âge de 5 ans, 5, 6 ans, il commence à étudier le Coran. À l'âge à peu près de 13, 14 ans, il connaissait le Coran. Il avait complètement mémorisé le Coran. Et beaucoup plus tard, il va non pas étudier la forme, puisqu'il l'avait déjà, la mémorisation, il l'avait déjà. Il faut imaginer cet homme en période de guerre ou sous sa tente ou sous la pluie, a toujours récité le Coran comme s'il respirait, il vivait, il expirait du Coran. C'était vraiment un homme qui était un homme du Coran, on peut le dire clairement, et un Mohammedien en même temps. Un homme qui ne prenait aucune décision, qui ne disait aucune parole, qui jaugeait ses pensées même à l'aune de celle du prophète et du modèle prophétique. Qu'aurait fait, qu'aurait dit, qu'aurait pensé le prophète dans de telles circonstances? Donc on voit bien que Abdelkader, oui, il a été multiple,
parce que les situations, la situation, les circonstances ont été multiples et qu'il a su quitter justement son cocon familial pour aller se confronter à la complexité du monde, tout simplement. Alors vous disiez que l'émir Abdelkader avait été forgé dans cette compréhension de l'unicité divine et du fait que tout repose sur la volonté de Dieu, tout s'accomplit selon la volonté de Dieu. En 1830, pardon, la France débarque en Algérie, prend racine. L'émir va se retrouver à la tête de la révolte, de l'appel à la résistance algérienne contre cette présence coloniale française. Comment Abdelkader s'est-il retrouvé si jeune à la tête justement de cette contestation? En fait, c'était plus qu'une contestation. Si on regarde les circonstances de l'époque, c'est bon, on va pas revenir sur le pourquoi la France décide d'envoyer une armée conquérir la régence d'Alger, puisque l'Algérie n'existe pas encore à ce moment-là, mais c'est une régence, c'est une province ottomane, donc administrée par la Sublime Porte, hein, donc par Istanbul, et le pouvoir est entre les mains d'une administration turque, turcophone, avec une majorité de la population qui est plutôt rurale et plutôt de tradition arabo-amazigh ou arabo-berbère. Donc Abdelkader, comme il le dira plus tard, notamment en captivité, il n'a pas fait le choix de faire la guerre. Lui, ce qu'il aimait, il le dit, c'était les livres, c'était l'étude. C'était, il faut pas oublier qu'il est ce qu'on appelait à l'époque issu de la noblesse du chapelet. À l'époque, on distinguait deux types de noblesse. Il y avait la noblesse du chapelet, donc les fils de Zawiya, Al-Zawiya, donc, et il y avait la noblesse de l'épée, et qui étaient souvent des tribus marzen, donc c'est-à-dire des tribus indigènes, mais qui étaient au service ou des supplétifs, je ne sais pas comment quel terme utiliser, du pouvoir central ottoman, turc. Et l'émir, lui, appartenait à la noblesse du chapelet. Donc c'était un homme qui était à l'aise avec les livres, c'était un homme qui était à l'aise avec le dhikr, avec le chapelet, et certainement pas avec l'épée. Et s'il l'a pris, c'est parce que son propre père, Sidi Mouhiddine, dans ce moment de fitna, parce que la conquête de l'Algérie, le fait que le pouvoir ottoman et les janissaires soient chassés, du jour au lendemain, il y a une anarchie qui s'est développée avec les règlements de compte, avec les rivalités tribales, parce que c'était une société tribale, hein, et il fallait remettre de l'ordre là-dedans. Et en général, pour remettre de l'ordre, on va toujours chercher le sage, celui qui est au-dessus, qui n'est pas partisan en quelque sorte. Et on a fait appel dans cette province d'Oran à Sidi Mouhiddine, notamment pour essayer d'être l'intercesseur, enfin, ou en tout cas celui qui allait essayer de renouer le contact entre les Koulourli, donc de Tlemcen, et les citadins de Tlemcen, où il y avait un conflit à l'intérieur de la ville de Tlemcen entre les Koulourli, donc qui sont des populations dont le père est turc et la mère indigène, hein, c'était qui formait en elle-même une communauté, une composante, hein, de cette population mosaïque de l'Algérie de l'époque, de la régence d'Alger de l'époque. Et c'est à ce moment-là donc qu'il s'est retrouvé à la tête du djihad, parce que face à cette armée qui débarque, il faut pas oublier que les indigènes, ce qu'on a, les locaux dans le sens premier du terme, c'est-à-dire les autochtones, ont perçu l'arrivée de ces armées chrétiennes comme étant une forme de croisade. Donc ils ont une lecture traditionnelle, et en voyant débarquer, parce qu'il faut pas oublier que tout le Maghreb a subi des assauts, des attaques, notamment des Espagnols, des Portugais, et là des Français à ce moment-là. Et donc il y a aussi même parfois une lecture eschatologique, le débarquement des Français à Alger, c'est les premières exactions, hein, les viols, les destructions, les transformations des mosquées en églises ou en écuries, enfin en étables, etc., etc. Tout ça parcourt très rapidement toute la régence, et on lit ça comme un signe de la fin des temps. Il y a une dimension eschatologique. Et c'est pour ça que pendant les années qui suivent, il y aura beaucoup de Mohammed ibn Abdullah, donc de sorte de Mahdi, qui viendrait comme annonciateur d'un retour de celui qui rétablirait la justice
et la paix, etc. Donc, on est dans une, cette ambiance un peu eschatologique. D'ailleurs, le 19e est traversé, pas qu'au moment du côté de la population, mais aussi en Europe, à partir de la révolution de 48. Hein, il y a aussi cette dimension de la fin d'un temps, de quelque chose qui se passe. Hein, donc, le 19e siècle était un siècle complexe. Mais pour revenir à Abdelkader, il ne l'a pas choisi. C'est que son père, qui a bien compris que le seul moyen de pouvoir faire face à cette armée fondée par Napoléon Ier, il faut pas l'oublier, hein, à l'époque l'armée française c'était la première ou la deuxième armée du monde selon qu'on était anglais ou britannique, anglais ou français, et là pour le coup il savait bien qu'il fallait l'unité, donc mettre fin à la fitna, rétablir la sécurité et s'unir. Donc on a demandé à Mohieddin, le père Sidi Mohieddin, de se mettre à la tête de grandes tribus, les Hachem Shiraga et les Hachem, et puis les Bni Amr, de se réunir, donc une grande confédération de tribus pour lutter contre. Et lui a prétexté son âge en refusant, évidemment en disant qu'il était un homme un homme du livre, hein, qu'il était prêt à éduquer ses enfants mais certainement pas à mener une guerre. Mais il aura proclamé tout de même le djihad et il a mis en avant son fils, et qui n'est pas son aîné d'ailleurs, c'est aussi qu'il a reconnu en lui certaines qualités particulières. La géographie raconte qu'il avait fait aussi des rêves et que d'autres sages, hein, comme le fameux Sidi Al-Arj, auraient rêvé, vu dans un songe, puisqu'évidemment dans ces moments-là, dans la tradition musulmane, on n'en a pas de source écrite, hein, de ça, mais on peut imaginer qu'il y a eu des salat istikhara, donc des prières du conseil, avec le rêve qui vient appuyer des décisions, etc. Donc on peut tout à fait imaginer ça, mais c'est retranscrit dans les chroniques de l'époque. Hein. On a une description du rêve où on voit un nouveau sultan qui apparaît pour lutter contre, etc. Donc tout ça, on a ces éléments-là. Et Abdelkader va être malgré lui mis à la tête de ce mouvement. Et très rapidement, il va se révéler en lui un homme avec un charisme très fort, une énergie très particulière. Et comme c'était aussi un amoureux des chevaux, c'était très utile aussi à l'époque. Et contre toutes les pronostics de l'époque, y compris, on le voit bien dans la correspondance de l'époque du côté français, on pensait que ce serait un petit chefaillon parmi d'autres qui s'éteindrait aussi rapidement qu'il aurait été élu. Et en fait, non, il va perdurer pendant plus de 15 ans, les meilleures années de sa vie, comme je le disais tout à l'heure, donc de l'âge de 24 ans jusqu'à 40 ans, jusqu'au moment où il décide de déposer les armes. Et pendant ces 15 années, il aura eu le temps de créer un embryon d'État. Il aura eu le temps aussi de marquer la chronique et d'entrer dans la grande histoire, quoi, et comme une figure majeure du 19e siècle. Alors, vous le disiez, il a tenu tête 15 années à la présence coloniale française en Algérie. Est-ce qu'il est possible d'identifier ce qu'ont été les piliers, ce qu'on pourrait appeler les piliers des différents succès, des nombreux succès militaires engrangé par l'émir Abdelkader, ce qui a fait qu'il a pu tenir tête et résister à cette armée française qui, à l'époque, comme vous le disiez, était la première ou la deuxième armée mondiale. Quels ont été les piliers du succès ou des succès remportés par l'émir Abdelkader durant ces 15 années qui ont été, vous le disiez, les plus importantes de sa vie? Je dirais que le principal pilier, et pour changer un peu des discours militaires qu'on peut avoir en citant toutes les victoires qu'il aurait eues et qu'il distinguerait et qu'on met beaucoup en avant en Algérie notamment, comme le Maqtaa, etc. Mais ce serait plutôt dire comment il a réussi, malgré une ambiance belliqueuse, une ambiance barbare, et là il faut le rappeler, ça a été une guerre de la terreur. On parle de politique de la terre brûlée à partir de 41, au moment où le général Bugeaud devient gouverneur général de l'Algérie. Mais ça va être une véritable guerre de terreur vis-à-vis des populations civiles de l'époque. Sa première grande victoire de l'émir, c'est d'avoir conservé son humanité malgré la tragédie. Ça, c'est pour moi, à bien y réfléchir, sa plus grande force. C'est-à-dire comment, pendant 15 années, malgré toutes les horreurs auxquelles il va assister, qu'il va lui-même subir, et que vont subir les siens, son peuple, comment il va préserver son humanité, rester
fidèle au modèle mohammedien. Alors, on rappelle souvent cette charte, hein, comme l'appelle son premier biographe anglais, Churchill, Charles-Henri Churchill, cette charte de respect des prisonniers, qu'en fait était une lettre qu'il a envoyée à tous ses chefs et tous ses khalifas, donc tous ses lieutenants à travers ces territoires, les territoires qu'il administrait encore à ce moment-là, pour leur demander de respecter les prisonniers qui étaient faits, parce que des bruits lui venaient que des têtes étaient décapitées, des tortures étaient exercées vis-à-vis des prisonniers français, et de rappeler les principes mohammediens. On respecte le prisonnier, on respecte les femmes, on respecte les enfants. C'est toujours vraiment, et ça pour moi c'est très fort. C'est-à-dire que il refuse d'utiliser les armes et les moyens qu'utilise son adversaire et qui lui donnait un ascendant, puisqu'en terrorisant les populations, évidemment, on les terrorisait par ce biais-là, et notamment, comme disait Bugeaud, faites des prisonniers, notamment des femmes, car ça crée des clameurs, ça provoque des clameurs parmi les indigènes, parmi les Arabes, comme il les appelait. Et donc, malgré la violence du moment, il garde cet ancrage mohammedien. Ça, pour moi, c'est vraiment important de le rappeler, c'est la première victoire. L'autre victoire, c'est d'avoir pu, en quelque sorte, créer une sorte de choc de la représentation. C'est-à-dire que l'arabe est souvent considéré, à cette époque-là, comme un fataliste et barbare. Comme il est barbare, il faut le civiliser, comme il est fataliste, il faut le convertir. Et là, en l'occurrence, Abdelkader, par son modèle, il va devenir, malgré ceux qui auraient aimé, pas malgré les propagandistes, une sorte de modèle. Par exemple, on en a un exemple très très clair, c'est d'ailleurs Victor Hugo dans un écrit qui le rappelle et qui dit d'Abdelkader Victor Hugo, mais qui est rapporté aussi par Monseigneur Dupuche de manière encore plus claire. Il dit qu'il échangeait avec un général français et qui lui rapportait, Monseigneur Dupuche, qui est le premier évêque d'Alger, qui a eu à négocier la libération de prisonniers avec l'émir en début 1841 et qui a découvert la force du personnage à cette occasion-là, mais qui le rencontrera que plus tard en captivité au château Henri IV de Pau en septembre 1848. Mais donc dans ce moment-là, donc Dupuche raconte qu'il rencontre un général, et ce général lui avoue que en fait les prisonniers français qui sont revenus chez eux disent beaucoup de bien d'Abdelkader, et qu'il y a notamment une histoire qui était célèbre parmi les Français, les soldats français, c'était celle de cet homme, ce soldat qui avait presque tué, blessé à mort l'émir, et qui finalement va être blessé lui-même par ces hommes, les hommes de l'émir Abdelkader. Il se retrouve prisonnier dans le camp, et quand ces hommes l'amènent, cet homme qui a failli tuer Abdelkader, qui avait tué un cheval, hein, parce qu'on dit qu'Abdelkader a eu 19 chevaux tués sous lui, c'est-à-dire que voilà, si ce n'était pas lui qui prenait la balle, c'était son cheval. Donc en l'occurrence, cet homme-là, ce soldat français avait été pris, et on raconte que l'émir, quand il l'a vu, il a dit il a tout fait pour le soigner et faire en sorte qu'il survive à sa blessure, et finalement il est mort. Et ça, ça a été rapporté donc dans le camp français, et le général répétait à Dupuche, mais nous sommes obligés de taire ce comportement magnanime d'Abdelkader, parce que si on le disait à nos hommes, ils ne combattraient pas comme on le veut avec ardeur. Et ça montre comment il arrivait justement par cette humanité, par cette encore une fois par cette manière de faire triompher le modèle mohammedien, quelles que soient les circonstances, a pu changer aussi le regard de cet adversaire, de cette opinion publique aussi française à l'époque, sur ce qu'on appelait le musulman, quoi. Donc ça, à mon avis, ça fait partie de ces victoires qu'on rappelle rarement, mais sur un plan de l'organisation, oui. Le génie d'Abdelkader, c'est d'avoir su d'avoir compris d'abord très tôt que le seul moyen de remporter cette victoire, ou cette victoire face aux Français, elle ne pouvait venir que de deux choses. La première, c'était d'unir les populations de la régence d'Alger, donc de la future Algérie.
et de les réunir autour d'un projet commun, autour d'une vision commune. Donc c'était vraiment un homme qui a essayé d'unifier des populations qui étaient dans un système tribal, très clientéliste, avec des rivalités anciennes, ancrées. Et ça, ça a été extrêmement difficile. J'allais dire que le premier adversaire qu'il avait, il était intérieur pour Abdelkader. Ça a été extrêmement difficile. Comment faire en sorte que des tribus qui historiquement étaient opposées, de les réunir face à un seul adversaire. Et ça, ça a été son grand génie, c'est de le comprendre et d'avoir, j'allais dire, de dépasser sa propre appartenance à une tribu, de dépasser même sa propre appartenance à une confrérie soufie et essayer d'unir. Et ça a été d'ailleurs à la fois son génie et aussi source de nombreux échecs. On le sait que pendant la période de la trêve de la Tafna, à partir de 37, il va avoir très peu de temps pour essayer de unifier ce territoire que le traité de la Tafna mettait sous son administration, et notamment créer des guerres avec notamment l'un des fils de Sidi Ahmed Tidjani, donc Aïn Mahdi dans le sud, ou avec d'autres personnages de l'époque. Et alors qu'on sait très bien que l'objectif c'était pas de soumettre, mais c'était réellement de faire un appel à la Oumma, c'est-à-dire à cette communauté de musulmans pour lutter et pour faire pays, faire nation contre la France. Et ça n'a pas été entendu, il a eu le même échec en Kabylie, hein, un peu plus tard, et ça a été source d'échecs, mais en même temps de son propre génie. C'est pas faute d'avoir essayé, en tout cas, d'unir ces populations éparses, parce qu'il n'y avait pas une nation algérienne. Mais par contre, il y avait une crainte du côté français, précisément, qu'il arrive. On a dans les correspondances, on dit la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est le français qui parle, ce serait qu'Abdelkader parvienne à unir toutes ces tribus très disparates et qu'il fasse nation. Qui réunissent toutes ces nationalités. Donc on voit bien que Abdelkader avait cette volonté-là et que ben il a perdu beaucoup d'énergie, peut-être même qu'il a perdu cette guerre, la faute d'avoir réussi à unir d'abord ses propres corps légionnaires. Ça c'est une chose, et évidemment face à la première armée du monde. Ne pas l'oublier, à partir de 1845, c'est 108 000 hommes qui sont en Algérie, un tiers des effectifs de l'armée française de l'époque est en Algérie, pour une population estimée à 3 millions d'habitants, et c'est des militaires de métier. Il ne faut pas l'oublier, créé par Napoléon, avec tout le génie français hein, derrière, génie civil, génie de l'artillerie, enfin bref, génie militaire. Et ça, c'est ça a été juste, et c'est ce qui fait tout l'héroïsme, la valeur de l'émir, hein, c'est d'avoir cru à une possible victoire, non pas militaire, mais comme il le disait, c'était « je veux juste être l'épine dans votre pied ». Et comme il se faisait traduire la presse de l'époque parisienne et l'opinion, parce qu'il savait très bien qu'une guerre, elle ne se gagnait pas uniquement sur le terrain, mais aussi politiquement. Et comme il savait qu'il y avait une opposition à cette conquête de l'Algérie, quand Louis-Philippe arrive au pouvoir après l'abdication de Charles X en 1830, la première chose qu'il dit, mais qu'il compare l'Algérie à un fardeau, quoi. C'est un héritage, comment s'en dépatouiller maintenant que l'Algérie est prise. Et Abdelkader est conscient de ça. Donc, en quelque sorte, il donne des arguments positifs aux anticoloniaux, puis à ceux qui sont pour le retrait d'Algérie, qui coûte très cher, parce que c'est une question de finance. Hein. Il y a des hommes qui meurent, il y a une opinion publique qui se plaint aussi donc de perdre des hommes, souvent de dysenterie, de maladie, etc. Dans cette nouvelle terre de conquête, et puis ça, elle coûte extrêmement cher, et politiquement c'est pas simple de. Et donc du coup Abdelkader voulait donner des arguments objectifs, j'allais dire, à cette opposition, à la conquête, pour pouvoir précisément espérer, si ce n'est une victoire militaire, du moins une défaite politique des adeptes de la colonisation. Alors l'émir Abdelkader finalement déposera les armes et sera contraint de renoncer à cette lutte de libération contre la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales raisons qui expliquent justement cette situation? Est-ce que vous évoquiez les divisions tenaces entre les différentes tribus arabes d'Algérie? Est-ce que c'est la principale raison? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Quelles sont les causes finalement de ce renoncement, de cet échec, je ne sais pas si le terme convient, de la lutte de libération de l'émir Abdelkader contre la France? Oui, et puis
rappeler la date, hein. On est en décembre 1847, hein. Donc l'émir a été élu à la tête de ses tribus en novembre 1832, donc ça fait bien 15 ans. Je le répète parce qu'il y a un chiffre qui revient souvent et qui a fait tradition, hein, qui fait partie de ces fake news historiques. On nous dit qu'il a lutté pendant 17 ans, et souvent, même quand je dis 15 ans, on me dit non, non, c'est 17. Je dis non, non, 1832 jusqu'à 1847, ça fait 15. Il y a juste à calculer, donc on calcule souvent à partir de la prise d'Alger en 1830, mais Abdelkader n'apparaît, on entre dans l'histoire qu'à partir de 1832, et on sait qu'il n'a combattu qu'à partir du printemps 1832. Enfin voilà, donc un peu plus de 15 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, fake news, historique, parce qu'on croit que les fake news remontent uniquement à notre époque, en réalité ils ont toujours existé, hein. L'histoire de Roland de Roncevaux qui aurait été tué par les Sarrasins est une erreur, hein. Les historiens l'ont prouvé, c'est pas les Sarrasins, donc les musulmans qui ont tué le neveu de Charlemagne, mais c'était les Vascons, hein, les Basques. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les Basques sont très fiers de rappeler que c'est eux qui ont oxy le neveu de Charlemagne. Donc non, cette autre erreur qui a fait tradition, c'est l'idée d'affirmer, d'utiliser le mot reddition pour Abdelkader. Le mot reddition, que d'ailleurs j'utilisais de manière au début de mes recherches, j'allais dire comme une habitude, jusqu'au moment où on se dit au fait, qu'est-ce que ça veut dire reddition? Et là, on prend un dictionnaire tout simplement et on remarque que c'est un exact synonyme de capitulation et de soumission. Donc ce n'est absolument pas ça, puisque Abdelkader, à un moment donné, voyant que les tribus étaient exsangues, qu'elles n'avaient même plus les moyens de payer l'impôt de la guerre, qu'elles n'arrivaient même pas à subvenir à leurs besoins, qu'il y avait même des bruits d'extermination des populations, si elles ne se soumettaient pas, c'était le terme qui était utilisé, hein, ne pas oublier qu'en 1841, quand le général Bugeaud, qui sera fait maréchal, qui recevra le bâton de maréchal en 1843, arrive à Alger. Il amène dans les caisses du navire qui le transporte, dans des caisses enfermées, des médaillons sur lesquels il y a marqué « Arabe soumis » et qui va placarder sur les burnous des populations qu'il soumettra, de manière à les corrompre, hein, en quelque sorte. Et en même temps, c'était une manière aussi de les humilier, et aussi d'en faire des supplétifs, des vassaux. Donc c'était une période extrêmement difficile pour les populations. Je l'ai dit, hein, certains parlaient même de projets d'extermination. C'était une guerre à outrance, hein, où les viols. Victor Hugo raconte quelque part un général qui lui expliquait le passe-temps après une campagne contre une ville, contre une tribu, de se prendre des bébés, les jeter, c'est les rattraper avec la baïonnette, hein. Ça, c'est pas uniquement des caricatures qui sont parues à la fin du 19e dans l'assiette au beurre, c'était une réalité coloniale. D'ailleurs, ce qui a été fait en Algérie va être répété dans les autres colonies. Il faut pas oublier qu'il y a aussi le fait que l'Algérie est le terrain d'expérience de cette première colonisation de cette envergure-là, du système colonial, du système de conquête. Et donc, il y a vraiment une crainte pour son peuple. Il y a un affaiblissement, il n'y a plus les moyens possibles. Et à un moment donné, il est même obligé de quitter le territoire algérien pour se réfugier dans l'est du Maroc, où il avait des relais, et qui jusque-là, jusqu'en 1840-41, avait eu le soutien des tribus marocaines, des populations marocaines, et surtout du Marzen, marocain. Et d'ailleurs, même l'émir a fait appel au ulama de Fès, avait fait évidemment aussi appel au Moulay Abdelrahman, le sultan marocain, jusqu'à un certain point, puisqu'il y a un moment donné, la pression des Anglais, d'un côté, qui ne voulaient pas d'Abdelkader réfugié au Maroc, parce que ça pourrait donner un prétexte aux Français de conquérir le Maroc. Donc il faut avoir ce point de vue.
en tête, donc une pression de l'autre puissance mondiale de l'époque, qui est l'Angleterre, sur le pouvoir marocain, hein, qui est composé du sultan et de son marzen, donc son gouvernement, et puis ensuite de la France, qui fait pression, qui menace le Maroc de l'envahir s'il venait pas à chasser Abdelkader de ses terres. Et cette résistance va pousser la France à aller combattre à l'intérieur du Maroc, et c'est la fameuse bataille de l'Isli, qui va être une humiliation pour l'armée marocaine, et qu'on va imputer complètement à Abdelkader. Et ensuite, un traité va être signé entre le Maroc, qui vient donc subir une humiliation, donc il n'a pas réellement le choix, et la France, pour considérer Abdelkader comme un hors-la-loi, de bannir du Maroc. Donc à partir de là, où pouvait-il aller, sachant qu'il est pris en tenaille entre d'un côté l'armée du Marzen, l'armée marocaine, et de l'autre côté les meilleurs hommes de la Mauricière, hein, qui sont placés sur toute la frontière du nord jusqu'au sud, et qui attendent le moindre mouvement pour pouvoir capturer, parce que l'émir n'est pas seul avec ses 1000 ou 10 000 cavaliers, comme on disait à l'époque, il y a aussi tous les civils, ses derniers partisans qui sont regroupés dans une daïra, quand plus tard elle sera dénombrée, ce sera à peu près 700 personnes, donc des femmes, des enfants, des vieillards, des blessés qui sont transportés à dos de chameaux, de mulets, à pied, sur le dos, et tout ça encore une fois dans un contexte infernal. Infernal. On est en plein hiver et Abdelkader se pose la question, que dois-je faire? Et là, il réunit ses derniers hommes, y compris des représentants de tribus marocaines de l'Est, et ils débattent. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on va déposer les armes et demander l'amen, donc un sauf-conduit au sultan marocain, ou bien on va du côté français qu'on a combattu depuis plus de 15 ans? Que fait-on? Et la plupart lui disent, allons du côté de nos frères en islam. Et là, Abdelkader a ce mot, non. Pourquoi? Parce que 2 semaines plus tôt, il avait envoyé son bras droit, Sibou Hamidi, donc, qui était son khalifa de Tlemcen, justement avec 4 chevaux, enfin des beaux chevaux, des présents pour rencontrer le sultan, et il ne le reverra plus. C'est la rumeur dit de l'époque, on a vraiment la mire beaucoup plus tard, 1 mois, 2 mois après, qu'on continuera à demander aux Français de continuer les recherches, mais on pense qu'il a été arrêté et mis dans une prison, mort empoisonné. Donc Abdelkader ne fait plus confiance au pouvoir marocain, il parlait lui des intrigants autour du sultan, qui avaient peur aussi pour leurs intérêts. Encore une fois, il y a la pression des Anglais, la pression des Français, et puis les Français et les Anglais, c'était encore une fois les 2 puissances de l'époque. Donc, à un moment donné, l'émir a dû faire un choix, et lui dit vers les Français, la chronique de l'époque, hein, on a les documents de ça, montre que l'émir est dans sa tente, cette fameuse nuit du 21 décembre, très intéressant d'ailleurs, c'est le jour... c'est le jour de l'éclipse du solstice d'hiver, et qui est la nuit la plus longue. Et c'est dans ce moment-là, dans la nuit, on dit que sous sa tente, pendant toute la nuit, il y avait des hommes, notamment des représentants des tribus marocaines, de ces hommes qui venaient pour essayer de le convaincre. Non, non, surtout ne va pas vers les Français, ne va pas, après qu'il ait envoyé une lettre. Et finalement, il décide de faire confiance aux Français, qui lui promettent, contre le fait de déposer les armes, d'être envoyé ou d'avoir un laissez-passer, c'est ça le Aman, c'est un sauf-conduit, de pouvoir se rendre ou à Alexandrie ou à Saint-Jean-d'Acre pour pouvoir rejoindre et finir sa vie à la Mecque, dans le Hedjaz. La France accepte, le général Lamossian accepte, avec la condition que le duc d'Aumale, qui est le gouverneur général qui vient d'être élu depuis peu de temps, le ratifie. Le duc d'Aumale, fils du roi, donc Louis-Philippe, accepte, ratifie cette promesse, et elle ne sera pas tenue par la France. Non seulement l'émir n'est pas envoyé en Orient comme il l'avait demandé, avec une centaine des siens, mais il va être retenu en France en captivité pendant 5 longues années, donc 4 mois à Toulon, au fort Malbousquet-Lamalgue, 6 mois au château Henri IV de Pau, et ensuite enfin un peu plus de 4 ans au château d'Amboise. Alors, justement, comment l'émir Abdelkader était-il perçu par ses contemporains? Quel regard portait-il sur lui? Y avait-il une relation de fascination vis-à-vis de l'émir Abdelkader? Alors, évidemment, tout dépend des regards. Hein. Y avait-il aussi des regards de détestation?
Comment était-il perçu? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Abdelkader, il n'y avait pas un Abdelkader, mais plusieurs Abdelkader en fonction des époques, des circonstances, mais aussi des témoins. Et on sait très bien que celui qui portraiturie, en général, celui qui fait le portrait de l'autre, qu'il soit écrit ou peint, il ne fait que projeter une part de lui-même. C'est-à-dire, dans l'autre, il voit le meilleur de lui-même, en quelque sorte. Hein. Tradition dit que le croyant est le miroir du croyant. Je dirais que l'être humain est le miroir d'un autre être humain. Et chaque être humain vient révéler à l'autre ce qu'il est, ce qu'il a, de meilleur et de moins bon, quoi. Et donc, il y a cette étrange alchimie qui se passe entre le témoin et l'objet du témoignage. Et chez Abdelkader, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de la fascination. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Les portraits négatifs sont extrêmement rares, ou sont dans des circonstances extrêmement précises, enfin, de but de propagande, ou bien parce que c'est un agent, un espion qui vient, accentuer certains faits, etc. Mais de manière générale, sur la soixantaine de témoignages écrits que j'ai pu retrouver, que j'ai pu recouper notamment dans le livre Fragments d'un portrait, on se rend compte qu'il y a des constantes. C'est vraiment un homme qui... On met souvent... bien sûr, il y a l'aspect physique hein, qu'on met en avant. Une certaine beauté, une finesse des mains, ce qui revient souvent, un charisme très fort, une prestance, vraiment c'est le leader, c'est l'homme. Et aussi, ce qui revient souvent, c'est cette contradiction, c'est-à-dire entre le valeureux, une sorte de Saladin des temps modernes, et en même temps un méditant. Et le mot qui revient le plus souvent, c'est un peu le moine soldat, quoi. C'est enfin dans l'approche qu'en ont les contemporains occidentaux et notamment français, c'est cette image-là. Mais on a des personnages qui sont mis en avant. On parle de Jugurtha, évidemment, ce fameux chef berbère qui a résisté à l'invasion romaine et que reprendra plus tard le jeune Arthur Rimbaud. Il y a aussi Hannibal, bien sûr, mais il y a un Salah ad-Din Ayyubi, un Saladin, mais aussi le Bonaparte du désert. Ça a été aussi un des surnoms qu'on lui a donné. L'abbé Suchet qui le rencontre au printemps 1841 dans des circonstances extrêmement difficiles où il arrive quand même à parvenir jusqu'au camp d'Abdelkader, il rencontre l'émir et quand il le décrit, et là d'ailleurs c'est d'ailleurs un moment assez exceptionnel qu'il restitue dans un livre qu'il va écrire, qui va paraître très rapidement, qui s'appelle Lettre édifiante et curieuse sur l'Algérie, dans lequel il compare l'émir à un saint évêque de France. C'est étonnant pour un ecclésiastique de comparer un mahométan, pour reprendre le terme de l'époque, un évêque, et puis saint en plus. Hein, je ne sais pas s'il avait en tête Saint-Martin, mais il aurait pu, puisque Abdelkader aussi, dans cette imagerie positive, hein, cette représentation positive qui circule de lui à l'époque, en tout cas dans les chroniques, dans les témoignages français, dans les illustrations aussi, et les représentations dessinées, il y a ce fameux épisode où Abdelkader, en 1838, à l'hiver 1838, remonte vers le nord, la neige commence à tomber, il fait extrêmement froid, et il est avec une quinzaine de ses hommes, ils étaient partis à 200, et après 400 km, ils ne sont plus qu'un. Ça, il faut aussi savoir qu'Abdelkader était un homme qui était capable, selon Churchill, qui était lui-même officier de la cavalerie, donc il savait de quoi il parlait, était un homme qui était capable de rester plus de 36 heures d'affilée à cheval. Donc, c'était vrai pour Abdelkader, mais combien autour de lui était capable de le suivre? Parce qu'Abdelkader, là, c'est juste sur le cheval, mais c'est pour tout le reste, c'était la même chose. Abdelkader était souvent seul dans cette... Comment appeler ça? Dans ces actions performatives, pour parler avec un terme très moderne. Mais finalement, il croise, raconte le témoin, il croise là trois va-nu-pieds, dont certains étaient à moitié nus, et dont un était à moitié nu, et l'émir enlève une de ses burnous. Il enlève un de ses blessures, il le donne à cet homme qui est là quasiment nu et qui rappelle la fameuse histoire de Saint-Martin de Tours, qui lui en plus avait donné la moitié de sa pelisse, hein, donc de son manteau, pas son manteau là, c'est toute. Donc il y a vraiment une imagerie positive du chevalier, de chevalerie,
du Saladin des temps modernes. Et puis bon, bah, physiquement, c'est aussi une figure biblique, hein, Abdelkader, la barbe, la djellaba, la couleur blanche, etc., etc. Donc, on est plutôt dans une imagerie positive, mais dans un contexte extrêmement belliqueux. Et c'est ce contraste-là qui caractérise un peu l'émir. Mais ça n'empêche qu'à l'époque, la propagande fait son travail de sape, et notamment à partir de 1845-46, pardon, le massacre de 200 prisonniers français qui étaient imputés par la suite à son beau-frère, hein, pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, parce que ce serait trop long, mais qui va être imputé à Abdelkader, justement, pour le décrédibiliser auprès de l'opinion publique et de justifier, de mettre les bouchées doubles pour l'abattre, en fait.